Comparer les sparklets Marshall avec une sparklet classique, je dirais. Bon, là, c'est une gamme en l'occurrence. Elles sont vendues pour avoir plus de puissance et plus d'autonomie, ce qu'on va contrôler très facilement à l'aide du Chrony FX. Pour ce faire, j'ai sorti mon traîneur combat rifle en CO2 de chez Rome. Ma favorite en CO2, hein, je l'ai depuis plus de 15 ans et j'adore vraiment cette bécane, une précision fabuleuse. Et on va tirer ces plombs de daube, les power. Alors je sais que dans certaines armes, ils fonctionnent à peu près correctement. Quand j'ai essayé dans le Crossman 1077, là, le semi-auto, une vraie cata. Ça empêchait de cycler et tout, c'était pas terrible. Mais là, la précision ne nous importe pas. Je vais donc alimenter la bécane pour commencer avec la gamo et on va pouvoir lancer les tests. Je mets toujours un petit peu de silicone sur mes CO2, surtout qu'elles n'ont pas servi depuis un petit bout de temps. Voilà, c'est alimenté. Je prends le support et je vous reprends. Tout est en place. La bécane est alimentée en CO2 avec une sparklet Gamo. Le barillet est en place avec les plombs Power 0,47 g. Le chrony est allumé. Mon téléphone est linké sur le chrony. Allez, c'est parti pour le test. Premier plomb, 4,5 joules, 139 mètres secondes. Donc maintenant, je vais les tirer un peu dehors sur les boîtes de conserve et tout ça, et je reviendrai pour chaque barillet pour faire une mesure. Donc tous les 8 plombs. Premier plomb du deuxième barillet, 137 mètres secondes. Ça n'a quasiment pas baissé. J'étais à 4,5 joules et à 139. Et là, je suis à 4,4 et 137. Même mesure que pour le deuxième barillet. Là, très peu perdu. 4,4 joules, 137 mètres secondes. 4,2 joules, 134 mètres secondes. Ça baisse pas beaucoup, hein. Ça se tient bien, hein. 4 joules, 3. 135 mètres secondes. 4 joules 1, 132 mètres secondes. Baisse un peu. 4 joules, 131 mètres secondes. Huitième barillet. Généralement, c'est à partir du huitième que je vois les plombs, je vois la trajectoire des plombs commencer à chuter quand je tire. Donc on devrait voir une différence. Allez, c'est parti. 3 joules 8, 127 mètres secondes. 3 joules 9, 128 mètres secondes. Dixième barillet, toujours avec la sparklet Gamo. 10 barillets de 8. Donc, quand il sera fini, j'aurai tiré 80 plombs. 3 joules 7, 125 mètres secondes. 3 joules 7, 126 mètres secondes. Ce qui est encore correct, en tout cas suffisamment pour tirer sur ma petite cible à 20 mètres.
3 joules 7, 125 mètres secondes. 13e barillet, et je pense que ce sera le dernier parce que quand je tire dehors, les plombs chutent vraiment énormément. 124 mètres secondes, 3 joules 6. Après le 13e barillet, c'est mon dernier tour sur le 13e, je suis toujours à 3 joules 4 et 121 mètres secondes. Alors, il y a encore un peu de pression, mais les trajectoires sont pourries. Donc là, j'arrête là. 13 barillet de 8, avec 3 joules 4 et 121 mètres secondes. Je vais changer la sparklette et on repart. Mise en place de la Marshall. L'heure de vérité approche. Premier barillet avec la nouvelle sparklette Marshall. Alors, qu'est-ce que ça donne? Joules 1, 132 mètres secondes. Il me semble que tout à l'heure on avait plus. Je vais faire mon barillet dehors et je vous reprends pour le deuxième barillet. Deuxième barillet, sparklette Marshall. 4 joules 1, 132 mètres secondes. J'ai plus en tête les valeurs de la cartouche classique, mais il me semble que c'était mieux, hein. Bizarre. On va continuer, hein. 3 joules 9, 128 mètres secondes. 3 joules 9, 128 mètres secondes. Même valeur que tout à l'heure, quasiment. 3 joules 9, 129 mètres secondes. 3 joules 8, 127 mètres secondes. 7e. 128 mètres secondes. Là, je vois une différence. Avec les classiques, je suis parti de plus haut, mais c'était moins régulier. Tandis que là, ça fait plusieurs barillets que j'ai des mesures quasiment identiques. Peut-être va-t-on s'y retrouver sur l'autonomie. On verra ça. 3 joules 7, 126 mètres secondes. 3 joules 6, 124 mètres secondes. 10e barillet. 3 joules 5, 123 mètres secondes. 3 joules 5, 122 mètres secondes. 3 joules 5, 122 mètres secondes. 13e. 3 joules 5, 122 mètres secondes. Alors c'est là qu'on voit la différence avec les autres cartouches. Donc même si on part d'un petit peu moins haut sur le début, ça reste très stable plus longtemps. 14e barillet. 3 joules 6, 124 mètres secondes. Donc on est encore au-dessus du score de la Gamo qui a 13 barillets était à 121 mètres secondes. On va le tirer, on essaye un 15e. Le 15e. 3 joules 6, 124 mètres secondes. Alors pour l'instant, je suis à 2 barillets de plus que la Gamo quand même. Commence à baisser un petit peu. 3 joules 4, 121 mètres secondes. Ce qui fait qu'on est quand même à 3 barillets de plus, donc 24 plombs. Donc à mon avis, puissance en plus, bof, moi je ne l'ai pas constaté, je dirais même que sur les premiers tirs c'était plus bas. Par contre, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus longtemps. Bon, je vais tirer le 16e, on verra bien s'il reste un peu de gouache pour en faire un 17e. Le 17e, 3 joules 2, 116. Donc là, je vais arrêter. Mais au final, 4 barillets de plus. Voilà, donc le test va se terminer.
Résultat, je dirais mitigé. Peut-être je m'attendais à trop, hein, parce que les gars avaient dit oui, super puissance et tout. Pas forcément les vendeurs, hein, mais les utilisateurs ne juraient que par ces sparklets Marshall. Alors effectivement, hein, la gamo, au bout de 13 barillets, j'étais à 121 mètres secondes et à 3,4 joules. Avec la Marshall, j'ai les mêmes valeurs, 3,4 et 121, mais à 16 barillets, ce qui nous fait 24 plombs supplémentaires. Son avantage aussi, c'est qu'elle est plus constante. Il y a une petite chute au début, et après, c'est un plateau pratiquement jusqu'à la fin. Alors que la gamo partait d'un petit peu plus haut, mais avait une chute régulière. Chaque barillet, je perdais de la puissance et de la vitesse. Donc, à vous de voir si le fait de payer une sparklet plus chère pour un petit gain d'autonomie vous intéresse. Moi, je pense que j'en ai deux boîtes, hein. Je pense pas que j'en rachèterai. À tester encore sur les armes de défense de domicile. Peut-être que ça marche mieux là-dessus, parce que c'est quand même prévu pour ça à la base. Pour nos gomme-cogne, Marex, etc. Les amigos, je vous dis à la prochaine. Un petit coucou au plombé du groupe de GG Explorer, j'aime tirer trois petits peu au plomb. Un gros big up à tous mes abonnés. Et puis les amis, à la prochaine. Faites pas les cons, bon tir, soyez forts. Allez, bye!